Je m'appelle Oscar, je suis arrivé chez VR en septembre 2021 et je travaille sur VR Inshore en tant qu'alternant. VR sur Regatta Inshore, c'est des petites régates, donc des courses de bateaux qui vont durer entre 5 et 10 minutes en temps réel. Une meilleure comparaison, ce serait Mario Kart, sans les accessoires comme la carapace rouge ou la carapace bleue, parce que c'est beaucoup plus proche de la réalité. Ça se veut plus comme une simulation qu'un jeu arcade. Alors pour Virtual Regatta Inshore, je suis le game manager. Si vous avez vu l'interview de Tom, mon collègue, en juin, je suis comme Tom, mais en plus jeune. Et du coup, je vais m'occuper, je vais gérer les équipes, je vais voir ce qu'on va développer dans le jeu, sur quoi on va parler. Donc, un exemple plus concret, c'est par exemple le mode championnat qu'on va continuer à améliorer. J'ai créer les spécificités et sur comment ça va marcher exactement, qu'est-ce qu'on veut rajouter, qu'est-ce qu'on veut enlever, etc. Alors passionné, je pense que c'est un mot un peu fort. J'adore la voile, j'en fais chaque été. J'avoue que je suis plus sur les planches à voile que les catamarans ou les bateaux plus classiques. D'ailleurs, mon premier interview téléphonique que j'ai eu avec Philippe Guigné, le fondateur de Virtual Regatta, c'était quand j'étais en Corse, dans les Bouches de Bonifacio, qui est un endroit qu'il connaissait bien justement parce qu'il faisait de la voile là-bas. Ce qui va arriver dans Virtual Regatta Inshore prochainement, déjà c'est le début de la saison 3 en ce moment pour le e-sailing World Championship. Donc le e-sailing World Championship, c'est le championnat mondial de e-sailing qui est en partenariat avec World Sailing. Et c'est du coup votre opportunité d'essayer de marquer des points et de vous qualifier parmi les 10 finalistes qui vont aller à Abu Dhabi pour faire une finale et gagner un butin qui vont se partager 10 000 euros. Mot de la fin, allez télécharger Virtual Regatta Inshore, c'est gratuit, c'est marrant, ça coûte rien, vous pouvez passer un bon moment. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Insta, Twitter et YouTube.